Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy Crystal Chronicles. La dernière fois qu'on avait pu faire une petite partie, on avait été au mur des gobelins, on avait buté le chaman gobelin, hein, et on est marre, hein, puisque on a dû revenir parce qu'il y a plus d'armes avant. Donc on va se faire un petit tour à Mar. On va aller voir si on peut pas se faire des petites armes. Un cheuil plus puissante. C'est quoi ça? Ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ok. Donc c'est quoi? Non, là, y'a rien. Alors, on est devant le meilleur portion de la ville. Est-ce que tu veux me parler ça? Des boucliers de fer, des gants en bronze, des gants de fer. Ça fait quoi ça? Ok. Donc. Ben un peu peut-être. Meilleur forgeron. Gants de fer. Je ne peux pas. Je n'ai rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a par là? On peut travailler trop alors on a la même chose appelée un divorce. C'est sympathique. Bon, ben, on va aller ailleurs alors. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose par là? Alors, ah bah il y a du monde, il y a un truc qui vient de courir. Il y a un bateau! Vous avez vu son nouveau bateau? Faut dire qu'avec les prix qu'il pratique, il peut se le permettre. Mais... Ah! Sympathique, hein. Alors dis-moi, raconte-moi ta vie. Désolé, c'est un nouveau navire, il n'est pas encore prêt à naviguer. Au moins, il y a du monde. Pas comme la dernière fois, il y avait personne. Allez, bon bah c'est pas par là. Bah, il reste plus que la forêt. Hein. Petite cinématique. Qu'est-ce qui me pique lui? On perd un fragment de bronze. Oh les sagouins! Oh les pots de vache, ils m'ont piqué un fragment de bronze! J'en ai déjà été. Là. Attends. Tu es rêvé ou... Ah non, j'ai rêvé. J'ai cru que tu m'avais mis une petite flèche. Oh non, bah non. Ils sont en train de martyriser un gobelin, les mecs. Ok. Ah, oh, la fameuse musique qui prend pas de la tête. Allez! Bon. Bon. On va aller au courant de miasme, hein. On va essayer de passer. Thank you.
Là, je suis à toi. Bah alors. Pourquoi je suis repoussé? Voir le truc là, faut le terre ou machin, j'en sais rien. Faut certainement avoir de l'eau, et mais je n'ai pas de l'eau, j'ai du feuille. Il y a quoi là-dedans? Non, du feu. Forêt des champignons. Entrée. Changer l'élément du calice d'eau. Ok. Là, je suis de l'eau. Il faut peut-être passer, Martin. Pour pousser. Il faut de l'eau. On va passer, on est de l'eau maintenant. Allez, allez, passez. On va pas être repoussé ce coup-ci. On va pouvoir avancer un peu dans l'histoire. Et si on pouvait avancer un peu dans la musique, ça m'arrangerait aussi, là, parce que c'est un peu... Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? La vallée d'Altifatali. Alors, là, il y a des machins... On va aller à droite. Qu'est-ce qu'on a par là? Le village de Tida. Et dans le village de Tida, il y a un arbre. The sun, once smiled. Une époque où le soleil irriguait ce village de sa bienveillante lumière. Jusqu'au jour, le cristal qui le protégeait finit par s'éteindre. Ouais, c'est vrai que c'est pour... Les villageois attendirent courageusement le retour de leur caravane. Sans savoir que leur cause était déjà perdue. Okay. On raconte qu'aucun d'entre eux ne tenta de s'échapper. Tous finirent front animé, tout sur front animé d'un imperturbable espoir jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Il fallait peut-être faire quelque chose quand même. Hein. En entendant cette histoire, j'ai ressenti plus que jamais l'écrasante lourdeur de mon fardeau. Il y a des trucs de enflammés. La ville brasier, ça se servira pas. Bon, on y go. Le village de Tida. On y go. Ma liste de commandes. T'es gentil, quoi. J'ai pas 50 milliards de trucs. Pas le breton de rade. C'est ça.
Ouais, mange-toi ça, toi. Mais donne-moi quelque chose. Monolithe de brasier. Ok. Toi ça, espèce de gros couvert là. Voilà. Paf. Paf. C'est cool. Mais il y a l'idée. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais. Non, parce que c'est, si t'as pas ça, c'est un peu. C'est un peu compliqué. Baraque pour faire beau, quoi. Par là pour rejoindre la droite, c'est peut-être un but de sac là, avec des trésors. On va peut-être y aller en premier. C'est bon, toi. Hein, oh, il m'a eu. Ah, il m'a eu. Je suis paralysé. Oh la vache. Viens ici, toi. Et de moi quelque chose de bien. Un truc de glace. Mon asticot là. C'est bon, hein. C'est quoi? Fait. Cool, faut du fait. Oh, il a shooté en plein vol, lui. C'est un éclat de fer. On va sonner quand même un petit coup, monsieur. Voilà, toi tu t'en vas. Tu me donnes des sous. Maintenant, je vais m'occuper du machin électrique. Hein. Ah non, c'était la plante carnivore. Tu me dis des trucs, toi. Voilà, que tu fais, c'est bien. Donc au final, on jaunit quand même. Est-ce qu'on peut aller par là? Pas descendre. D'accord. Faut... Dépêche-toi, toi. Non. Voilà. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est la foudre. Un petit coffre dans le coin là. Que dalle, hein, dans ce coin là.
pêche. Qu'est-ce qu'il y a comme esticot là-dedans? Allez, va-t'en, 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 va-t'en! Bon, celui-là, il est déjà mouru. Voilà, t'es mouru toi. Nickel. Ouh, t'as pu être en train de venir. Je peux pas, j'ai trop peut-être de... d'objets. Ouais, ça doit être ça. Alors, je vais manger un poisson. Un éclat brillant. Et voilà. Et je vais remanger un... Voilà, donc ça, comme ça. Non, c'est pas là qu'il veut mettre. Commande. Ça. C'est pas un truc brasier là? Est-ce qu'on peut le cramer? Voilà. C'est embêtant. Objet. On va acheter une truc de phénix. Une armure de fer. Ah oui, alors ça, oui, et ça, ça c'est même plus que indispensable, ça. Bon, ça va.
Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, ça fait déjà 20 minutes qu'on se balade comme ça, à taper sur des squelettes et autre chose. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite. Ciao, ciao tout le monde, merci d'avoir suivi.